Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de débriefing du système Fulking sur le Dow Jones. Alors nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 mars et je vais débriefer la journée du mardi 2 mars et de ce jour en même temps. J'ai pas eu l'occasion de le faire hier, donc voilà, c'est parti pour le mardi. Alors ici, premier setup, on a des setups de divergence. On trace notre ligne de tendance, on a un break ici, donc on est un peu trop proche, enfin oui encore, c'est limite, on pouvait éventuellement le prendre puisqu'on a ici donc 419 et la clôture 414, non 5 points, c'est pas assez entre la clôture et la ligne de tendance court terme ici, donc vous pouviez prendre le break de la ligne de tendance court terme, ce qui vous donnait un premier objectif ici à 30 points. Et donc pour le moment, donc au contact, là on était en zone de range long terme, donc on pouvait se mettre ici avec un stop rabaissé, enfin ou relevé plutôt juste ici en dessous. On a vu l'occasion de laisser courir un peu le trade, et au moment où on vient casser ici la zone grisée, on pouvait se mettre à BE. Vous voyez que bien ensuite on fait ici un double top, et puis derrière, boum, on valide, on casse la ligne de coup qui se trouvait ici, et on va rechercher l'objectif du double top, et donc on est stoppé à BE sur le deuxième trade. Par contre, on avait ici une alerte King TT qui est dans le sens de la priorité du setup de divergence haussier qui est ici et qui n'a toujours pas été invalidé, puisque je rappelle, pour invalider une priorité, on doit dans ce cas-ci casser au niveau des prix le plus bas qui a donné naissance au setup de divergence, ou atteindre l'objectif du TP2 ici au niveau de la bande opposée supérieure et attendre 15 chandeliers pour annuler ou plutôt terminer la priorité du setup de divergence. Donc ici c'était pas le cas, donc on devait rechercher des achats. On a une alerte King TT à l'achat, ups, on pouvait la prendre, aller rechercher son objectif qui est le contact avec le plateau rouge et vert opposé, et ça nous donnait 55 points. Ensuite, donc on invalide la priorité puisque l'on vient breaker le plus bas avec ce gros chandelier. Donc on attend, alerte King TT ici, mais on n'est pas en zone de range long terme. On regarde la tendance précédente, elle est neutre à baissière. Et puis vous voyez ici, vous avez la forte impulsion baissière. Donc on ne peut pas se mettre face à ce type de mouvement à l'achat. Pareil ici. C'est le même topo. En plus, on a un setup de divergence qui est en train de prendre naissance et on a la validation ici par le break de ce beau chandelier là. Alors, vous aviez ici en clôture 353 et 340. Donc là, vous pouviez entrer en position ici sur ce chandelier là, puisqu'on a plus de 10 points d'écart entre le break de la ligne de tendance directe et la ligne de tendance court terme qui est ici. Hop. Voilà, et je rappelle que c'est la méthode prioritaire. Donc moi je travaille avec le break de ligne de tendance. Et en fonction de la distance, eh bien j'attends le break de la ligne de tendance court terme, ici en orange. Donc on pouvait ici réaliser 80 et 165 points sur ce trade là. Ici au niveau du contact, eh bien, on est en zone de range long terme, donc on pouvait laisser traîner notre stop ici en dessous plutôt que d'être ABE, et lorsque l'on vient traverser la zone grisée, eh bien, on pouvait se placer ABE ensuite. Donc là ici, le vert on y reviendra après, ça c'est un setup 5 centiques. Donc le bleu se terminait ici, on obtient notre objectif 2. Alors attention, hein, vous observez bien que la bande ici est en train de remonter, donc les TP sont bien des TP mouvants, ce ne sont pas des TP fixes, ils évoluent avec l'évolution des prix. C'est pareil pour le contact avec la ligne de tendance long terme. Donc vous allez voir que parfois vous allez prendre position et puis vous avez la ligne de tendance long terme qui va continuer à baisser, à baisser, à baisser. Et au final, eh bien, vous allez avoir un tout petit TP alors que le TP de départ était plus intéressant. Ça vous permet de sortir lorsque vous commencez à avoir une tendance, par exemple, qui s'amorce et que vous êtes rentré à contre-tendance mais que celle-ci ne s'inverse pas.
Ensuite, on attend les prochaines alertes. Les prochaines alertes, ce sont toutes ces alertes ici de divergence baissière. Et vous voyez que vous avez la ligne de tendance, vous avez le canal de tendance haussier qui est celui-ci. Et donc, vous n'avez jamais un break validé. Et vous avez surtout la ligne de tendance court terme qui est très loin. Alors, par contre, ici, vous aviez une ligne de tendance plus directe. Vous pouviez la prendre et puis vous étiez bien éloigné au niveau par rapport à la bande grisée lors de la validation de celle-ci. Donc, vous aviez un premier objectif à 35 points. Et vous voyez qu'ici, donc au contact, on était bien en zone de range long terme. Donc, on pouvait laisser traîner notre stop ici au-dessus, à plus ou moins 30 points. Hein, vous voyez, c'est la ligne rouge qui est là. Elle vous donne ici les 30 points de stop. Pourquoi? Parce que ensuite les prix sont remontés et sont venus stopper notre deuxième lot. Donc ici on a fait moins 30 points. Ensuite, ça n'a rien à faire là. Qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, vous aviez ici le break du dernier plus haut. Donc, vous aviez ici l'annulation de la priorité baissière donnée par ce setup de divergence. On monte, on monte, on monte. On a une alerte divergence ici au-dessus. Vous voyez que il n'y a pas de véritable break à ce niveau-là. On fait un pullback et là, on break à la fois la ligne de tendance. Vous voyez, 1 point, 2 points, 3 points, plus la ligne court terme. Donc là, vous aviez votre premier objectif ici à 40 points, plus ou moins. Et donc ici, on était venu transpercer la bande grisée. Donc ici au contact, on est en zone de range long terme, donc on pouvait laisser notre stop ici au-dessus du dernier plus haut. On vient transpercer la bande grisée, donc on peut se mettre à BE et derrière, boum, on fait un V bottom ou un double bottom en Adam et Ève. Bref, petite figure chartiste sur le Centique, elle fonctionne aussi. Et donc là, on est stoppé à BE. Ensuite, prochaine alerte, alerte King TT ici, en zone de surachat, pas en zone de range long terme ici. Donc on regarde la tendance précédente. La tendance précédente, elle était neutre et puis ici fortement haussière. Donc on ne se met pas face à cette tendance, même si ici, eh bien, vous alliez rechercher votre objectif. Donc voilà. Parfois, ça fonctionne, mais suivant la règle ou les règles, eh bien, on ne pouvait pas entrer en position. Ici, alerte King TT donnée en partie haute. Nous ne sommes pas en zone de range long terme. Nous devons regarder la tendance. La tendance est haussière. Ok, on est en partie haute. Donc, on pouvait prendre position ici. Donc là, vous aviez plus de 30 points. Donc, Setup King TT, généralement quand vous avez plus de 30 points, ben voilà, vous mettez à BE, quand vous êtes aussi à proximité, bien entendu, de votre objectif ici, hein, il reste plus grand chose, donc vous avez l'opportunité de vous mettre à BE, vous mettez à BE, ici ça nous a sauvé puisque derrière c'est reparti à la baisse. On avait d'ailleurs en même temps une alerte King TT qui était donnée ici. On est en zone de range long terme. Vous êtes dans la partie haute. Vous pouviez prendre position ici et votre objectif était de 35 points. Alerte King TT à la hausse. On est en zone de range long terme. On est en partie haute. On ne pouvait pas le prendre. On ne prend que les achats en range long terme lorsque l'on est dans la zone basse de l'enveloppe. Des prix. Ensuite, alerte King TT ici, donc on est en zone de range long terme, on n'a pas de setup de priorité baissier puisqu'il n'y a pas eu de validation de divergence baissière, donc là on pouvait entrer en position et là je l'ai mis, je ne sais pas si on avait 30 points ou pas, je ne sais plus. Oui voilà, bon vous étiez à 29 points, bon bah ici on est à 65 quelque part par là et puis on remonte, donc bon l'un dans l'autre, dans un cas comme dans l'autre, c'était une sortie à BE. Ici, setup de divergence validé ici par ce beau break avec ce gros chandelier. Donc ici, vous en aviez même un deuxième. Pourquoi? Parce que vous aviez toujours ici la divergence.
Et là aussi, vous aviez les prix qui font un dernier plus bas ici. Donc là, vous aviez la ligne de tendance pour ce deuxième setup de divergence qui était celle-ci. Et vous voyez, vous avez le beau break qui se fait là, plus ou moins à la même, hop, à la même hauteur. Donc là, vous aviez aussi un, ah, il n'a pas compté, un premier objectif qui était atteint. Donc vous aviez ici 45 points et 40 points. Et les deux deuxièmes lots étaient stoppés à BE. Ah bah ici en live. Ah bah oui, non, puisqu'on a été stoppé à BE. Non, pas grave, j'en reviendrai après pour. Parce que je surveille en même temps le graphique pour la fin de session. Donc voilà. Donc vous voyez, hein, on monte ici. Donc au contact, même au contact, on n'est pas en zone de range long terme. Donc on se mettait directement à BE sur les deux positions. Et puis derrière, eh bien, on vient se faire stopper à BE ici. Donc la priorité baissière, elle, par contre, ne s'en va qu'au moment où l'on casse ici le plus bas à ce niveau-là. Donc on ne pouvait rechercher que des achats. Jusqu'ici, et ici, bon, on regarde, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau des setups de divergence qui se matérialisent. Donc celui-ci, puis vous aviez là-bas le visuel, puisque l'indicateur fait un nouveau plus bas par rapport à celui-là, mais pas par rapport au setup de divergence de zone. Hein, donc vous voyez ici le dernier plus bas significatif, c'est un plus bas au niveau des prix. Vous aviez un plus haut ici au niveau de l'indicateur, alors que les prix, eux, faisaient un nouveau plus bas. Donc ça, c'est un setup de divergence de zone. Le break se fait ici, premier objectif là, on est en zone de range long terme, donc on remonte notre stop qui à la base est de 70 points. Pour rappel, avec la configuration de la volatilité actuelle, ensuite on vient perforer ici la zone grisée, donc on vient se mettre à BE et derrière, eh bien, on vient rechercher un objectif 2 ici à 130 points. Ensuite, les alertes suivantes. Donc, on a ici un setup de divergence qui est prioritaire par rapport à l'alerte King TT. De toute façon, l'alerte King TT, on était en tendance haussière. Comme on n'est pas en zone de range long terme, on ne pouvait pas la considérer. Donc, les setups de divergence, comme vous le voyez, bah, ils ne sont pas validés ou alors ça traîne dans la zone grisée. Donc, voilà, pas de validation pour prendre position, mais. On a ici par exemple sur celle-là une priorité qui est donnée. Pourquoi? Parce que l'on vient breaker ici la ligne de tendance avec un beau gros chandelier rouge, mais on se trouve pile poil sur la ligne de tendance court terme orange et on frôle la zone grisée. Donc ça, je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation, ce type de break, moi je ne le prends pas. Mais ça donne quand même la priorité baissière. Bon, ça donnait son objectif 1, hein, bon, pour les plus téméraires, qui était de sans doute 30 points, quelque chose comme ça. 22 points, voilà. J'étais un peu gourmand avec 30 points. Donc la priorité disparaît avec le nouveau plus haut qui est fait aussi par rapport au prix. Par contre, bon bah il y avait nouveau un setup de divergence visuelle, mais à nouveau validé dans la zone grisée. Donc il ne se passe rien, 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 rien. Jusque ici où vous aviez celui-là de mémoire faisait pas 10, il fait 8,5, donc bon voilà, moi je ne l'ai pas considéré. Puis ensuite le suivant, il mèche et puis il est à zone grisée, donc voilà. Il y a une priorité haussière qui est donnée, mais pas de prise de position. La priorité haussière disparaît lorsque l'on vient faire le plus bas qui est ici. On n'a plus de priorité. Donc ici on a une alerte King TT à la hausse. On est en zone de range long terme. On pouvait la prendre. Et vous voyez, ça fait le yo-yo. À un moment donné, ben, voilà, quand on a passé un certain laps de temps et qu'on a la possibilité de sortir à BE, on sort à BE sur ce genre de position. Alors voilà qui clôture la journée de mardi 2. Donc faisons le bilan. Donc on avait ici
30 plus 55 plus 80 plus 35 plus 40 plus 0 plus 35 plus 45 plus 40 plus 50 plus 0. Ça nous faisait un potentiel de 410 points sur le setup 1 avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gagnants, 0 perdants, 2 BE de mémoire. Oui. Ici, on avait alors 1 BE. 55 plus 165 moins 30, 1 BE, 1 BE, plus 35, 1 BE, 1 BE, 1 BE, plus 130 et 1 BE. Donc on avait 355 points pour l'objectif 2. On avait donc 1, 2, 3, 4, 4 BE en plus. Donc là, ça fait 6. On avait un stop loss et donc 7, ça nous fait 4 gagnants. Donc voilà pour la journée de mardi, donc un potentiel de plus de 760 points pour ceux qui travaillent les deux objectifs, donc avec un lot plein à chaque fois. Alors, passons à la journée de mercredi. Alors, pas de setup de priorité pour le moment après 9h. Donc voilà, on arrive, on a une alerte King TT. Bon, vous voyez, elle est à contre-tendance. Pardon, et on n'est pas en zone de range long terme. Donc, on ne pouvait pas la considérer. Pardon. Ensuite, nouvelle alerte King TT. Pas de setup de divergence. Ou alors, il faut avoir les yeux au millimètre, mais voilà, vous avez l'indicateur qui, vous le voyez par rapport à ce sommet-là qui baisse alors que les prix montent. Bon, voilà, c'est une divergence arrondie. De toute façon, la validation se faisait ici dans la zone grisée. Voilà, je vous l'avais mis juste pour information. Après, petite parenthèse, par exemple. Quand vous avez ce genre de setup, bon là vous pouvez aller les voir sur les vidéos annexes ou sur la chaîne YouTube, c'est la méthode du range court terme. Donc quand vous avez un setup de divergence comme ça qui a été validé mais dans lequel vous n'avez pas pu rentrer position ou alors vous êtes arrivé en retard par exemple, eh bien vous pouvez appliquer la méthode du range court terme. La méthode du range court terme c'est quoi? Eh bien voilà, tant que il est actif, c'est que vous dessinez une structure de consolidation. Bon, ici la structure de consolidation, on la voit bien, c'est un biseau ascendant qui se forme ici. Et donc ici vous avez une jambe baissière, un biseau ascendant. Qu'est-ce que on fait normalement en chartisme? Et bien simplement on le break par le bas. Lorsque vous avez la validation du break par le bas, et bien vous pouvez entrer en position à la vente avec un stop non plus ici au-dessus, mais au-dessus du dernier plus haut de la structure de consolidation. Et vous pouvez viser les mêmes objectifs que le setup de divergence. Donc ici. Elle travaille de la même façon. Donc là, vous aviez un premier objectif qui pouvait être fait à 25 points, plus ou moins. Donc au contact, on est en zone de range long terme, donc on laisse traîner notre stop ici en haut. Et lorsque l'on passe la zone grisée qui est là, eh bien, on se met à BE. Et derrière, vous voyez, vous pouviez aller rechercher l'objectif 2 du setup de divergence. Et donc, malgré le fait que celle-ci n'ait pas été validée pour une prise de position, on avait la possibilité d'entrer dans le sens du setup de divergence suivant la méthode du range court terme. Donc voilà, vous avez appris quelque chose de plus pour les nouveaux qui n'auraient pas encore visualisé cette vidéo. Mais je compte pas ça dans les points repris dans les débriefings. Mais ce sont du hors-piste, on va dire, que je mentionne régulièrement. Donc ensuite, tout ça, c'est grisé, 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 grisé. Puis de toute façon, on a la priorité qui disparaît après 15 chandeliers ici, donc c'est quelque part par là, et vous voyez que c'est important parce que si vous aviez eu un setup qui vous permettait d'entrer en position là-dedans, et bien vous voyez que derrière, boum, ça continue à décrocher. Donc là, bah, on est face à un fort flux baissier, on prend pas. Ici, pareil, on n'est toujours pas en zone de range long terme, et vous voyez, c'est l'importance de la méthode. Pourquoi? Parce qu'elle vous empêche d'entrer à l'achat face à un fort flux.
Par contre, dans ces cas-là, vous pouvez appliquer la méthode du range court terme. À nouveau, là, vous voyez le range court terme qui s'active. Là aussi, ben, voilà, vous pouvez ici, par exemple, tracer votre boîte avec les derniers plus haut, plus bas. Vous avez un break, forte tendance baissière. Boum, vous pouvez entrer en position ici. Hop, c'est pareil. Là aussi, vous avez un range court terme qui s'active. Vous avez la possibilité soit de tracer votre boîte, soit eh bien, de tracer ce qui s'apparente au début à un canal ici ascendant. Hop. Par rapport au plus haut qui est là, vous avez le break qui se fait là ou qui se fait ici. Hop, vous pouvez reprendre une vente avec le stop ici au-dessus et aller rechercher des plus bas. Donc dans ces cas-là, vous allez rechercher un risk reward minimum de 1. Éventuellement, vous mettez ABE et vous prenez votre TP sur un risk reward de 2 voire 3 sur ce type de configuration. Donc ça, c'est la méthode du range court terme pour prendre position lorsque vous observez une forte tendance qui se met en place. Voilà, je vous aurais décrit la méthode du range court terme dans ce débriefing. Ensuite, setup de divergence. Vous voyez ici, donc il y a une ligne de tendance directe, mais ce sont que des chandeliers avec des mèches d'hésitation. Et le vrai break se fait ici. Donc là, on a 10 points. Ah, donc vous avez la possibilité, pardon, d'entrer en position ici. Hop. Et là, de toute façon, c'est une sortie ABE sur le deuxième lot. Donc là, on pouvait aller chercher 35 points. Donc c'est le premier trade de la journée hein, avec la méthode. Et un BE derrière. Ensuite, on est toujours en priorité haussière puisqu'on n'a pas franchi ici au niveau des prix les plus bas. On a une alerte King TT. Donc on peut prendre position ici à l'entrée. Pour rappel, la flèche est donnée sur le chandelier, donc à l'open du chandelier sur lequel vous devez entrer. Donc le chandelier qui donne le signal, la validation, pardon, de l'alerte, c'est celui-ci. Cette alerte se transforme en signal uniquement si ça respecte la méthode. Voilà. L'objectif est un peu plus haut ici, c'est au contact. Donc vous avez 50 points de possible. Ensuite, souvent, ce que je fais personnellement aussi, c'est que lorsque j'ai eu un stop ABE et que j'ai une validation ou que je n'ai pas pu entrer dans ce setup de divergence-là, ce que je fais, c'est que je considère que mon entrée ici, c'est une entrée comme le setup de divergence. C'est-à-dire que je vais avoir mes deux lots, je vais prendre mon objectif 1 ici et mon objectif 2 là-bas. Bon, ici, l'objectif 1 aurait été touché, et puis derrière, boum, BE. Pourquoi? Parce qu'au niveau du contact, je n'aurais pas été en zone de range long terme, donc je me serais mis à BE après une vingtaine de points, derrière, boum, et puis, crac. Et puis j'aurais été déçu, parce qu'ensuite on a une divergence ici qui se manifeste, hein, puisque on a un plus bas ici au niveau des prix, alors que l'indicateur fait un nouveau plus bas, plus haut que le précédent. Et puis on a un gros chandelier vert qui relance la hausse jusqu'au contact de la bande supérieure. Bref, ici se termine, on attend 15 chandeliers et la priorité du setup de divergence haussier que l'on travaille ici disparaît. Donc on a la première alerte qui se fait ici, mais on est toujours en zone de range long terme, donc on pouvait entrer en position. Donc celle-là, je ne l'avais pas vue. Quand j'ai préparé le débrief, on fait combien? 57, donc ça tient. Et puis, hop, on va rechercher. Bon, bah ici, je vais le considérer ici parce qu'on fait la touchette hein, quasi. Et puis derrière, bon, vous avez la bande qui baisse, le plateau, pardon, qui baisse. Alors, pour les nouveaux, attention, tout ça, c'est pas des bandes de Bollinger. Et les bandes supérieures non plus. Ça n'a rien à voir, hein. Ce sont des bandes spécifiques que j'ai codées moi-même pour info. Parce qu'on parle souvent en bandes de Bollinger, mais non, ce ne sont pas des Bollinger. Elles se rapprochent, mais ce n'est pas tout à fait ça. Ensuite, ici, on a... Hop, hop. Setup de divergence. Alors le chandelier qui valide le break de la ligne de tendance, bah, il est en zone grisée. Et celui qui valide le break de... Donc quand je dis la ligne de tendance, c'est ma ligne noire ici. Hein. Ma diagonale, je devrais dire. Ou,
mon oblique, pardon, mon oblique, c'est plus exact. Et le break ici de la ligne de tendance court terme se fait aussi en zone grisée. Donc on a une priorité baissière, mais pas de trade de prix. Donc ceci, on ne peut pas puisqu'on est en priorité baissière. Celui-ci non plus. Là, on a un setup de divergence à la hausse qui est validé, mais dont on ne peut pas prendre position. La priorité haussière du setup, elle disparaît ici. Ensuite, on a une validation du setup de divergence à la hausse ici, puisque vous avez votre ligne de tendance qui à la base se trouve comme ceci. Hop, ah, on pouvait entrer plus tôt en fait. Oui, on pouvait entrer plus tôt, pardon. Un peu plus tôt. Bon, après celui-ci était une bonne entrée aussi. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez la zone de consolidation ici, vous avez le break par le haut de cette zone de consolidation. Donc ici, on pouvait aller rechercher 60 points et vous le voyez ici, le contact qui donnait 120 points, 125 points quasi. Donc ici, au contact, on est en zone de range long terme. Donc on laisse traîner notre stop qui était à 70 points, on le ramène ici. Et une fois que l'on a percé la bande grisée, on peut venir se mettre à BE ici. En fait, non, on est stoppé BE là-bas. Dommage. Hop, sur cette mèche là, on est stoppé à BE sur le deuxième lot. Bon. Mais vous voyez que pour ceux qui ne seraient pas sortis à BE, eh bien on allait rechercher l'objectif 2. Donc en tout cas. C'est à partir d'ici que l'on compte 15 chandeliers pour éliminer le sens de la priorité haussière donnée par le setup de divergence. Donc on travaille, on travaille, on travaille, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ici, setup de divergence baissier, on a le break de la ligne de tendance. On va chercher un premier objectif à 30 points. Et sur le deuxième, on se fait stopper à moins 50 points. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu transpercer ici la bande grisée, donc notre stop traînait ici quelque part au-dessus, ce qui fait plus ou moins 50 points de stop loss. Quelle heure est-il? 21h27. Je surveille le graphique en même temps pour voir s'il n'y a pas une petite position à prendre en fin de soirée, mais parce que j'étais en rendez-vous toute la journée, donc je n'ai absolument rien fait en termes de trading aujourd'hui. Il y a des journées comme ça, et malheureusement, c'est souvent comme ça chez moi. Le travail prend beaucoup de temps, et du coup, pas forcément l'occasion d'être devant les écrans quand je suis toute la journée en rendez-vous comme aujourd'hui. Quand je fais mes rapports devant les écrans, parfois, eh ben, je suis suffisamment concentré pour pouvoir prendre une position. Mais sinon, je me frustre en faisant les débriefings chaque soir. Donc ici, on avait le break du setup de divergence visuelle ici au niveau de l'indicateur. Hein, vous voyez, je vous ai tracé les deux lignes. On avait l'objectif 1 qui était atteint à 45 points. Et l'objectif 2, donc on était sorti ici à BE puisque l'on vient perforer la bande grisée ici. Ensuite, C2C, donc pas de setup de divergence. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. Bon, c'est clair, vous voyez tous ces gros chandeliers verts. Ça vaut pas la peine de se mettre face à ça. Il y a plus de chances que l'on se fasse stopper qu'autre chose. Par contre, bon, ici, ça fonctionnait. On allait rechercher l'objectif. Ensuite, ici, zone de range long terme, alerte King TT, on n'a pas de priorité baissière due à un setup de divergence, donc on pouvait entrer en position très court, donc là ici c'était 10 points que l'on pouvait aller rechercher. Setup de divergence haussier ici, validé par le break, oups, pardon, par le break ici de la ligne de tendance court terme, on pouvait aller rechercher l'objectif 1 à 15 points. Et le lot 2 était stoppé à BE. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en zone de range long terme quand on vient toucher ici. Donc on se met à BE. Bon, on sent bien qu'il ne va pas faire long feu. Hein. Puis vous avez la ligne de tendance qui continue à baisser. Donc éventuellement, bah, vous êtes libre de prendre seulement vos deux TP d'un coup. Hein. Ensuite ici, alerte King TT.
Contre-tendance, hein, puisque face à des gros chandeliers rouges, la ligne de tendance long terme est baissière et on n'est pas en zone de range long terme ici dans l'indicateur, donc pas possible. Vous avez ici un setup de divergence à la hausse. Hop, vous voyez ici, là, ça baisse, break qui se fait là, on peut aller chercher 35 points. Et au contact, ici, on n'est pas en zone de range long terme. Donc, éventuellement, bon, voilà, vous voyez qu'il arrive après le range long terme, juste après. Alors, quand il arrive trop loin derrière, ça va pas, mais quand il arrive le chandelier d'après, voilà, vous pouvez rester ABE, en fait. Pardon, vous pouvez rester juste ici en dessous, remettre votre stop que vous avez placé ABE juste là en dessous, parce que ça vous permet d'aller rechercher ici l'objectif 2, par exemple. Faut rester un peu flexible par rapport à cette règle. Bon bah voilà, il manquait un chandelier pour être dans la zone bleue, donc voilà. Personnellement, je me serais laissé du mou. Vous avez ici une alerte King TT dans le sens du setup de divergence, donc vous pouvez entrer ici. À nouveau, soit vous allez rechercher simplement l'objectif donné par la règle des King TT, donc là ça faisait 55 points, soit à nouveau, eh bien, vous allez essayer de rechercher objectif 1 ici, donc une reprise par rapport au setup de divergence et objectif 2 là-bas. Et donc bah, c'est ce qui va terminer ici notre débrief de la journée, puisque 30, on vient de le finir, puis là on n'avait pas de validation, vous voyez ici, hein, du setup de divergence. C'est ça que je regardais dans la... dont je vous parlais dans la vidéo tout à l'heure. Donc bon bah voilà. Ici pour ceux qui continuent à trader après, bon bah vous avez la possibilité d'un double bottom. Vous avez une ligne de tendance principale qui maintenant devient celle-ci baissière. Vous voyez que ça forme le canal et c'est ce dont je vous parlais. Préférez toujours les lignes de tendance qui vous permettent de faire un canal. Et quand vous avez ce canal-là, par exemple, eh bien, vous avez les prix qui font potentiellement un nouveau plus bas. Hop, c'est un exemple, hein, qui font potentiellement un nouveau plus bas. Et ça vous permet de tracer une ligne de tendance plus directe, par exemple celle-ci. Mais uniquement si on fait un plus bas avec une touchette sur le bas du canal. Et c'est lorsque vous allez à ce moment-là breaker avec un setup de divergence cette ligne de tendance-là que vous pouvez prendre un achat ici dans le sens du setup de divergence avec le break d'une ligne de tendance qui sera plus directe. Pourquoi? Parce que le temps que vous arriviez là, eh bien, vous aurez déjà un certain nombre de points qui éventuellement vous permettraient de sécuriser votre position si jamais vous avez ici la ligne de tendance qui est fortement pendue. Ça, ci n'est qu'un exemple. Voilà, donc allons voir maintenant ce que ça a donné au niveau de la journée. Donc je peux déjà vous dire que c'était une journée standard, celle-là, plutôt correcte. Donc on avait le setup 1, 35 plus 50 plus 30 plus 60 plus 30 plus 45 plus 10 plus 15 plus 35 plus 55. Et ça nous faisait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Gagnant, aucun perdant, aucun BE. Ici, on a moins 50 plus 100. Donc, on a un gagnant, un perdant et 8 BE. Voilà pour les trois premières journées de la semaine, ce qui nous fait donc un total pour l'instant de 810 et 405. Vous avez donc 1200 points à prendre en 3 jours sur le Dow Jones, en sachant que ce sont des journées très agréables pour le système. Pourquoi? Parce que ce sont des journées avec une volatilité intéressante, mais en même temps, ben, voilà, on reste dans des bornes hautes et bornes basses. Si je vous prends par exemple, attendez que j'aille chercher le bon graphique. Hop.
Que je vous cache aussi tout ce qui n'est pas nécessaire. Voilà. Hop là. Voilà. Et donc ce que je vous disais, voilà, ce sont des journées qui sont à la fois dans une volatilité intéressante, mais en même temps vous êtes dans des bornes hautes et bornes basses, donc des grands ranges, des triangles, des canals ascendants à forte pente, à pente moyenne, ce genre de choses. Ces journées-là, vous avez de très fortes chances de faire un carton avec le système. Après, quand vous êtes sur des zones relativement intéressantes comme celle où on était ici, bon, vous avez la possibilité d'entrer en position assez tôt dans un setup et de maintenir un solde en swing. Donc moi, par exemple, ici, j'attends avec impatience que, eh bien, on vienne rechercher, par exemple, le bas ici de cette zone qui pour moi pourrait être ici une vague C. Peut-être même la forme qu'elle en prend, ce serait peut-être même ici le sommet de la vague 1 et donc un ABC pour une W, un A, un B, un C pour une X et un A, un B et un C pour une Y avant de repartir à la hausse, soit pour entamer tout simplement donc une vague 3, soit ici on était en une petite vague A rouge, petite vague B rouge et donc une C rouge. Donc là, moi dans ces zones-là, j'attendrai plutôt 250, 300, un beau setup sur le King TT, enfin sur le Full King, pardon, pour entrer en position et aller au moins rechercher le haut de cette zone, donc un bon 300 points, voire le break de cette zone et une poursuite vers la hausse. Donc voilà, comme ça en plus vous avez mon plan de trading pour le reste de la semaine. Si bien entendu ça se passe quand je suis devant les écrans et en journée, hein, si ça se passe pas pendant la nuit, puisque ici on est sur le CFD. Et on peut faire rapidement aussi si vous voulez le débrief du 500 ticks. Hop, donc je vais prendre le graphique ici. Désolé pour ceux qui font encore le streaming live, mais bon, de toute façon, généralement, il n'y a plus grand-chose à faire. Voilà, le vert dont je vous parlais, donc c'était celui-là. Donc mardi, bon, on peut faire lundi aussi. Hein. Lundi, on était où? Lundi, 1er mars. Toc, toc, toc. Lundi, 1er mars. Ici, 9h. Donc on commençait là. Donc on n'avait pas de setup particulier. Donc là, on avait 9h, c'était ici. Voilà. Donc le premier setup qu'on avait, c'était celui-là, alerte King TT en partie haute, même en zone de surachat. On n'était pas en zone de range long terme, donc on devait suivre la tendance. Non, celui-là, on ne pouvait pas le prendre en fait. Hop, je sais pas ce qu'il fait là. Ici, alerte King TT, pas en zone de range long terme, mais on est à contre-tendance. Ici, moi, la position que j'ai prise, c'était ici quelque part de mémoire. C'est combien? 154. Ah ouais, non, c'était même encore plus bas. Ouais, je l'avais expliqué en fait, hein, je ne sais plus, mais c'était ici et il y avait des setups de divergence. Et donc, moi, je l'avais prise dans le sens de la forte hausse qu'il y avait là. Pour moi, c'était le petit pullback avant la reprise haussière. Donc, c'était dans mon plan de trading par rapport à la zone sur laquelle il y avait eu le rebond. Et donc moi j'ai pris ce setup là en hors piste. Et donc j'ai pris position ici à 150 et quelque chose. Là. Et puis voilà, j'ai laissé mon trade partir. Donc ici en fait sur le 500 ticks on n'avait rien à faire, rien à faire, rien à faire. Tous les setups de divergence éventuels n'avaient pas été validés jusqu'à ce break là. Qui donnait ici son premier objectif. Hop là. À 75 points. Ensuite, ben, on se mettait à BE puisqu'on n'était pas en zone de range long terme et on se faisait stopper le deuxième lot à BE. La priorité baissière disparaissait ici. On avait un autre setup de divergence. Vous voyez, setup de divergence de zone plus setup de divergence directe. Vous aviez le break qui se faisait ici. Là, on avait déjà fait un plus haut ici, hein, donc on n'était plus en priorité baissière. Donc on ne pouvait pas entrer en position ici, puisqu'on devait prendre la tendance précédente qui était haussière.
Là, vous aviez le break qui se faisait là, mais pile poil sur la ligne de tendance court terme, donc vous pouviez attendre des chandeliers, et puis le break qui se faisait, bon bah, se faisait pile poil sur la zone grisée. Bon, voilà. Puis c'était à quelle heure? C'était à 21h03. On était peut-être entré 21h03. Tiens, allons voir sur le Centique. Où est-il? Il est là, 21h03. C'était ici en haut. Donc voilà, bah on était pris de la même façon. C'était là, 21h12. Donc voilà, 21h03, il était donné là. Quelque part, enfin bref, c'était quelque part ici où ben, si on avait eu un setup de ben, on l'a eu en fait. Je l'ai oublié celui-là. C'est à quelle heure ça? 21h12? 15 points? Ben, oui. Celui-là, on pouvait entrer en position dessus. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, mais on était en setup de priorité haussière ici. Ah, pardon, pardon, c'est pour ça. Toutes mes excuses. Voilà. Donc après voilà, double top, setup de divergence, hop, bon, pour le hors-piste qui travaille les figures chartistes, ça c'était un très beau setup. Et puis surtout, hop, si je le fais comme ça, n'hésitez pas à travailler comme ça aussi, parce que ça peut être relativement intéressant pour vous d'avoir les deux. Hop, calé, donc ici on était là. À ce niveau-là, vous aviez ici le break qui se faisait donc à 21h03. Tiens, d'habitude, il me met une zone grisée, mais bon, là, il le fait pas. D'habitude, sur l'autre graphique, il vous met la ligne horizontale. Où est-ce qu'il s'est passé ça? Il m'a retiré, mais hop. Voilà, ici on avait ça là. Il va pas la mettre non plus, pourtant on est bien sur le bon graphique. Alors, bon, bref. Mais c'est intéressant d'avoir une vue des deux. Et je vais vous montrer pourquoi dans la suite. Tout simplement parce que ça permet d'avoir des prises de position qui sont plus intéressantes aussi. Parce que parfois vous pouvez avoir des setups centiques qui se passent là. Et puis vous dites, ouais, mais bon, je suis en zone grisée sur le 5 centique, je préfère prendre une position quand je suis dans une zone de survente, par exemple, 5 centique, je préfère rentrer à l'achat sur le centique là-dedans. Et rentrer à la vente là-dedans. Ça conforte, hein, ça fait une double. Comment? Une double zone de survente. Donc vous avez une zone de survente court terme dans une zone de survente plus long terme. Donc voilà, ça peut relativement être intéressant aussi. Bon, ici on loupait de par la méthode comment la possibilité de prendre la divergence. Parfois j'hésite encore sur le 5 centique à tenir compte de la bande grisée ou pas, pour les divergences du moins. Mais et donc ici on pouvait aller rechercher 55 points à 190. Et en fait, je préfère entrer, me servir des setups de divergence, par exemple sur le 5 centique, comme une validation pour. Donc, c'est-à-dire que je prends position sur le centique. Et quand j'ai la validation du setup de divergence dans le même sens sur le 5 centique, eh bien, parfois, ce que je fais, c'est que j'allonge mes objectifs. C'est-à-dire que le TP1 devient en fait le TP1. Du 5 centique et le TP2 devient le TP2 du 5 centique, mais avec une prise de position sur le centique. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais bon, c'est pour dire de prendre des TP plus longs, comme j'ai moins souvent l'occasion de rentrer en position. Hein, voilà, ça peut être pratiqué chez vous aussi. Donc ici, vous avez la ligne de tendance qui sera breakée. Mais je pense que c'est en nocturne. Donc voilà, vous avez la belle ligne de tendance. Ici encore, c'est un peu long. Prenez ce plus fin, c'est plus haut là. Avec ceci. Et vous avez le beau break qui se fait là, mais qui se fait à 7h du matin. Bon. Donc ici pour l'instant, plus rien. Donc 9h, 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 c'est ici.
Est-ce qu'on a un setup de divergence de zone, donc entre ces plus bas là et celui-là? Vous avez les plus bas ici au niveau de l'indicateur, un plus bas qui est plus bas. Setup de divergence de zone, voilà, c'était là le vert. Vous aviez 65 points à prendre ici. Pour ça que j'avais mis en vert. Vous aviez à peu de choses près, hein, voilà, faut pas non plus être gourmand quand je dis c'est la proximité. Là vous aviez je sais pas moi combien d'écart, vous aviez 620 et vous avez 5 points d'écart. Bon voilà. Éventuellement c'est pas là que vous prenez votre TP, mais c'est là parce que vous voyez qu'il y a un reflux sur la zone, enfin bref. Mais il y avait moyen de faire ici 60 et 180. Ensuite là dans le sens du setup pardon, de divergence haussière. Bon, ici on n'a pas officiellement touché, mais bon, vous si vous avez considéré que c'était fini, bon, bah, la priorité haussière est finie. Mais on est de toute façon en zone de range long terme, donc vous pouviez prendre position ici, vous aviez la possibilité d'aller chercher ici 80, 90 points, donc c'est clair et net, là vous êtes à BE, donc soit vous avez pris vos TP voyant que ça baisse fortement. Après, voilà, c'est une méthode. Si vous avec 90 points vous êtes content, prenez 90 points. Voilà, parce que ici, suivant la méthode, vous faites stopper BE, alors que bah, vous aviez 90 points dans l'escarcelle. Après 90 points, ça peut faire une journée hein, chez certains. Donc moi, je sais qu'avec 90 points, ça peut facilement faire ma journée. Ma journée à moi, c'est 50 points et j'ai mon gain journalier qui est effectué avec ça. Donc voilà. Donc ici, vous aviez un setup de divergence qui était prioritaire par rapport au King TT. Donc le King TT, bon, il était en zone de range long terme, donc c'était une belle occasion puisque ça vous donnait un bel objectif. Par contre, la divergence, ben, vous ne saviez pas la prendre. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas breaké la ligne de tendance et la zone, la ligne, la, pardon, l'oblique baissière, elle est breakée ici en même temps que la ligne de tendance court terme, mais c'est en pleine zone grisée. Donc là, il y a un sens de priorité à l'achat qui se valide, mais suivant la méthode, on n'est pas dedans. Donc lui, on ne pouvait pas le prendre. On pouvait pas le prendre non plus. Hop, ça termine sans doute la journée de mardi. Oui. Ensuite, là, il y a quelque chose à faire là. C'était 11h. Oui, c'est magnifique. Donc là, on arrive là. Vous aviez votre belle ligne de tendance ce matin. Le magnifique break qui va se faire là. Vous pouviez entrer en position ici avec votre stop là-bas au-dessus. Donc les 70 points fonctionnaient ici aussi. Donc vous aviez 70 points comme objectif. Un RR de 1 pour le TP1. Et 195. Ah mince, j'ai effacé. 70 plus 195. Vous aviez 265 points à prendre ici. Ensuite, on attend 15 chandeliers. Donc c'est ici quelque part. Vous aviez ici double bottom et le plus bas est ici. Donc pas de setup de divergence. Ah, vous en aviez un court terme ici, entre ce plus bas-là et ce plus bas-là. De toute façon, bon, le break se fait là, mais avec une mèche. Donc, bon, au pire, vous aviez le TP1 qui était là. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est celui-là. Vous aviez ici, divergence là. Divergence de zone ici. Vous aviez le break de la ligne de tendance. Bon, et encore là, c'est qu'une mèche, donc vous pouviez le prendre ici. Hop, vous aviez un stop au minimum de 100 points et vous alliez rechercher l'objectif ici à 80. L'objectif 2, eh bien, il reste là. On perce la zone, on est à BE, on se fait sortir à BE là-bas. Là, on avait une alerte King TT. Bon, après, vous voyez si vous la prenez ou pas, puisqu'elle est borderline au niveau de la zone grisée. Donc, si vous la preniez, vous alliez chercher. Perso, moi, je ne les prends pas celle-là, hein, mais vous alliez chercher ici 60 points.
Ensuite, la alerte King TT dans le sens toujours du setup de divergence là qui n'est toujours pas en fait invalidé. Donc à quelle heure c'était? 20h36. Ok. Non, c'était pas pendant que je faisais le débrief. Donc là, vous pouviez aller rechercher ici 120 points. Ouais, vous aviez l'alerte divergence ici en même temps. Donc non, suivant la méthode, vous ne pouviez pas la prendre. Mais en freestyle, vous pouviez la prendre. Donc le break se fait dans la zone grisée, quasi. Donc à nouveau, il se fait là. Si vous la preniez, vous alliez chercher 50 points. Ce qui est déjà pas mal. Hop. Ici, alerte King TT. Donc pour l'instant, celle-là, bon après, elle est à passer 21h30. Hein, donc hop. On la prend pas. Je vais juste aller rechercher ce qu'on a fait dans les journées précédentes. Donc là, il y avait plus 65, plus 185, plus 75, et je crois que c'était tout. Donc ça faisait 720 points sur le 500 tick. Donc on pouvait prendre en plus 720 points sur le 500 tick. En plus des tchouk, donc ça fait... Un bon 1900 points à prendre avec la méthode de base sur les 100 tics et 500 tics. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Sur ce, bien je vous remercie d'avoir visionné cette longue vidéo, parce que c'était 2 jours de débriefing avec pas mal d'astuces, pas mal de rappels de théories, hein, surtout pour les nouveaux, pour que vous puissiez bien apprivoiser et bien rentrer dans le moule de la méthode. Donc voilà, c'était 50 minutes. Je vous remercie de les avoir suivis. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur Discord, sur Telegram. N'oubliez pas de partager, de liker, de parler du full king autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas à ceux qui font le test, j'en ai pas encore vu beaucoup, pour dire pas du tout, aucun résumé de journée, aucun trade pris. Donc voilà, faites l'effort les gars de partager les trades que vous prenez avec le full king, vos observations, vos bilans de la journée. Bon, je sais que c'est la première semaine, donc c'est cool, mais n'hésitez pas à partager un max sur les différents canaux. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.